en direct sur France 3 et sur France Musique. Vous avez pu suivre le Nabucco de Giuseppe Verdi. La distribution était la suivante: Abigail Elizabeth Connell, Fanina Mariana Choromilla, Anna Cécile Perrin, Nabucco Renato Brusson, Zacharia Simon Estes, Ismaël Valentin Prolat, le grand prêtre du bal Michael Rissoff et Abdallah Georges Gauthier. Avec les chœurs de l'Opéra de Nice, les chœurs du Théâtre des Arts de Rouen, Opéra de Normandie, les chœurs de l'Opéra d'Avignon et des Pays de Vaucluse, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les solistes, les chœurs et les musiciens étaient placés sous la direction de Maurizio Arena. Quelques rendez-vous de concerts pour encore les Corrigés d'Orange. Je vous rappelle que samedi prochain, 16 juillet à 22h, vous pourrez retrouver ici même à Orange l'Orchestre Philharmonique de Radio France, les chœurs de Radio France, pour la 9e symphonie de Beethoven avec en soliste Colin Esperian, Catherine Harris, Keith Lewis et William Schimmel. Les solistes, les chœurs et l'orchestre seront placés sous la direction de Marek Janowski. Et je suis sûr que vous êtes déjà tous en train de préparer vos vacances d'été du mois de juillet 1995. Alors je peux déjà vous donner les prévisions du programme de l'année prochaine pendant que les solistes sont applaudis par les 9000 spectateurs du Théâtre Antique d'Orange, un théâtre archi-comble ce soir pour cette représentation du Nabucco de Verdi. Eh bien, si vous êtes dans la région le 8 juillet et le 11 juillet 1995, vous pourrez voir et entendre Aïda de Verdi avec l'Orchestre National de France dirigé par Georges Prêtre, avec Ilona Mitchell et Alain Fondari, entre autres, dans la distribution. Et puis les vendredis 28 juillet et lundi 31 juillet, toujours 1995, le Rigoletto de Verdi avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Voilà quelques rendez-vous pour ce que seront les Corrigés d'Orange 1995. Voilà, cette soirée pour les Corrigés d'Orange 1994 se termine maintenant. Le public semble satisfait de cette soirée qui a pu se passer dans des conditions climatiques tout à fait rares puisque le Mistral était resté couché. Je vous souhaite, puisqu'il est maintenant 0h47 à Orange et un petit peu partout en France, je vous souhaite une très bonne nuit. Et si vous n'êtes pas tout à fait fatigué, bien la soirée continue sur France Musique, toujours en compagnie d'Anne Montaran. Je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de France Musique. Merci François Castan. Pour tous ceux qui n'étaient pas à Orange hier et qui n'auraient pas l'occasion de se rendre à Orange ce week-end,